Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment filtrer ou bien trier des données dans un tableau Excel. Par exemple, si tu veux trier les données de la colonne prix par ordre croissante, par exemple. Donc, alors cliquez sur l'entête de la colonne, puis cliquez sur données, cliquez sur le bouton trier. Alors, choisir le nom de la colonne à trier, prêt par exemple. De plus petit au plus grand, ou bien de plus grand au plus petit. Et cliquez sur OK, et voici. Pour filtrer les données d'un tableau, par exemple, alors sélectionnez les entêtes des colonnes A filtrées, puis cliquez sur Filtrer. Les deux petites flèches s'affichent. Alors, pour par exemple afficher seulement les ordinateurs d'un prix inférieur à 200 euros, cliquez sur cette petite flèche. Alors cliquez sur la flèche ici et cliquez sur filtre numérique par exemple et supérieur à ou bien et inférieur à par exemple 200. Cliquez sur OK et voici. Nous avons seulement les prix inférieurs à 200. Vous pouvez modifier le trait par exemple et inférieur à 300. OK et voici. Tous les ordinateurs d'un prix inférieur à 300. Vous pouvez modifier par exemple le supérieur ou égal à par exemple 200. Ok, et voici seulement les prix qui sont supérieurs ou égal à 200. Merci et à bientôt.